chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ceux qui précèdent et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Place, paiement non conforme à la procédure habituelle. Le dossier est déjà entre les mains de la justice. On fait le point avec Cédric Kenny. Il fera sans doute l'objet d'une procédure de flagrance. Jean Moussouna Senga, ancien intendant au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, prit la main dans le sac grâce aux informations obtenues par le vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudieu Mayo-Mambeke, auprès du ministre près la présidence de la République, sur un dossier de paiement en faveur de l'imprimerie Offset 5. Dossier qui devrait en principe suivre la procédure liée aux dépenses publiques, mais dans la pratique, ça n'a pas été le cas. Les voici aux côtés du vice-premier ministre, ministre du budget, document en main, les regards dans le vide, écoutant le patron du budget lui rappeler ses péchés. Ces messieurs, osent dire que le ministre du budget a liquidé la dépense concernant ces gens qui sont au Bénin, demandent 150 000 dollars avec mon directeur de cabinet. Et nous allons partager ça avec le ministre
suivre lors du lancement de ces missiles. Nous avons tout fait pour atteindre le monsieur qui reconnaît être en contact avec ces gens qui sont bénins et qui reconnaît, qui dit même qu'il est le propriétaire de ces dossiers. Après, c'est terre. Il ne nous restait plus que acheter le parc pour venir le prendre et faire son boulot. La règle d'or dans mon cabinet, ici, c'est de ne pas monnayer les dossiers. Ça, c'est interdit. Vous avez vu comment ils sont là, les dossiers? Je les signe et je n'attends personne. Je les signe selon que mes techniciens, mes experts, me disent « Ok, c'est bon, signé. » Jean Le Fou Nasenga sera mis en examen devant les parquets. Un message clair est lancé au réseau mafieux et leurs complices au sein de l'appareil de l'État. Et la synergie des associations d'encadrement des médecins autour du ministre de la Santé, Étienne Longondo, aujourd'hui vendredi, au menu, le dossier brûlant des fictifs qui perçoivent indûment la prime des risques des médecins. On fait le point avec Sandra Wallon. Constituer un comité de suivi de tous les dossiers qui touchent les professionnels de la santé, une délégation de médecins conduite par le docteur Joe Chibangu est venue rencontrer le ministre Étienne Longondo ce vendredi 23 octobre en son cabinet de travail à l'immeuble du gouvernement. Au menu des échanges, tous les sujets d'actualité au sein de la corporation, dont essentiellement les dossiers brûlants des fictifs qui perçoivent indûment la prise de risque au détriment des ayants droit. Il a été réceptif. Il a demandé qu'on puisse travailler, donc nous allons les rencontrer encore dans les jours qui viennent avec un petit rapport. Il va mettre en place une commission qui existe déjà d'ailleurs, où nous allons harmoniser les tout pour continuer à travailler afin que les médecins qui ne sont pas payés puissent trouver gain de cause. C'est-à-dire qu'il a toujours resté, il est toujours resté dans ces soucis-là de payer le médecin. Comme il y a un gros dossier qui se trouve encore sur la table, qui peut m'aider à ce que le médecin soit payé en grand nombre, alors il s'est mis dans ses combats. Il nous associe également, comme il aime toujours associer le médecin, dans tout ce qu'il fait. Docteur Étienne Longondo leur a rassuré de son implication personnelle dans ces dossiers, dont les actions de grande envergure sont en train d'être menées afin d'en découdre avec ces réseaux mafieux couronnés des hors-la-loi. Plusieurs d'entre eux sont déjà identifiés, a-t-il renchéri. Pour sa part, le comité de suivi a applaudi de deux mains les prouesses qu'elle est enregistrée le numéro 1 de la santé des Congolais depuis son avènement à la tête de ses ministères. Le médecin en, de ce fait, pris l'engagement d'accompagner le patron de la santé des Congolais dans ses combats salutaires d'assainissement de leur corporation. Parlons renforcement des performances de la société minière de Kilomoto, ce qui montre grâce à l'électrification de ces installations dans la province de l'Ituri. La question était au cœur des échanges entre le deuxième vice-président du Sénat et une délégation d'investisseurs sud-africains, Eugénie Dadachaban. Les investisseurs de la Société sud-africaine d'électricité, Southern Energy, et la délégation de la Société minière de Kilomoto, Tokimo, conduite par son PCA, Aniki Tima, étaient les hôtes du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Tibassi Mambongemo, à Téini. Ils ont fait le point des travaux d'électrification de la société minière de Kilomoto pour augmenter les performances de cette entreprise minière de l'Ituri. Nous sommes venus voir le deuxième vice-président du Sénat pour le tenir informé de l'avancement du programme de réhabilitation de l'infrastructure de production d'électricité de la Sokimo dans la province de l'Ituri dans la phase 1 et puis ensuite dans la province de Biotwele dans sa phase 2. La première phase, on va monter jusque à 15-16 gigas. Mais là, pour l'instant, il n'y a que 1,5. Mais avec les travaux qui vont commencer, ou qui ont déjà commencé d'ailleurs, de synchronisation des lignes, celle qui va vers Bélé, ainsi que celle qui va vers Mongualou, on va passer de 1,5, la capacité actuelle, à 5-6. Donc les perspectives sont relativement bonnes. Et c'est aussi l'occasion pour nous
de vous communiquer que la Sokimo a bénéficié d'un don du président de la République qui a remis des transformateurs et des câblages pour nous permettre justement d'améliorer la qualité du service assez rapidement à Bounia. Vous savez que l'objet premier de la Sokimo, c'est la production minière et que le réseau électrique qu'on a, c'était pour les besoins industriels. Mais nous évoluons dans une partie de la République où, malheureusement, la société nationale n'a jamais déployé un véritable réseau électrique. Et donc, le réseau électrique de la Sokimo a eu à pallier cette carence, ce qui fait que depuis des années, même avant la fin du monopole, c'était le courant de la Sokimo qui alimentait l'Ituri et puis une partie de l'Otoélé. Popularisation du réseau électrique de la Sokimo, le vice-ministre des ressources hydrauliques Papi Pongou a reçu la délégation de cette entreprise minière. À ce sujet, Mireille Ndeke nous en dit plus. La société minière de Kulomoto, devenue société commerciale, tient à relancer ses actions. La première étape de ce processus commence par la régularisation des autorisations d'exploitation de la Sokimo avec un réseau électrique implanté dans la province de l'Ituri et de l'Otoélé. Raison primordiale de l'audience qu'a accordée le vice-ministre des ressources hydrauliques et électricité, Papi Pongou Luamba, à la délégation de la Sokimo et autres associés. Au départ, on avait un réseau électrique qui était à la hauteur de nos ambitions, qui était lié à la production minière, ainsi qu'à la distribution dans certaines bourgades. Mais la démographie des régions a changé. Pour desservir ces populations, il faut que le réseau se mette à la hauteur et augmente sa capacité de production, de transport, de distribution de l'électricité. Ben, nous avons constaté avec beaucoup de plaisir que le ministre a appuyé l'ambition qu'a la Sokimo aujourd'hui avec la déréglementation pour le secteur, la fin du système de monopole qui a existé dans ce pays depuis longtemps, qui nous accompagne dans cet effort, parce que cet effort est également l'un des objectifs de développement que la République démocratique du Congo s'est fixée. Requête prise en compte par l'autorité qui a rassuré ses invités d'une suite favorable visant à améliorer les réseaux électriques de cette société, l'électricité étant le socle du développement d'un pays. Au Conseil économique et social, la question des eaux douces de la RDC a été à l'ordre du jour d'une séance académique animée par le professeur Raphaël Chimanga à Nimbalaka. La République démocratique du Congo regorge environ 3/4 de la superficie totale du bassin du Congo, le plus grand bassin versant d'Afrique qui occupe la deuxième place mondiale en termes de superficie. Ses potentiels lui permettent de développer plusieurs secteurs. Le professeur Raphaël Chimanga l'a dit au Conseil de la République dans une séance académique dirigée par Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social. Pour les directeurs du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC en cycle, ce centre apporte déjà une solution à la gestion des ressources en eau. Nous avons mis en place un outil de gestion intégrée des ressources en eau, un outil scientifique et aussi un outil de prise de décision à la gestion durable des ressources en eau. C'est un outil qui identifie les potentialités et les opportunités et oriente les investissements pour que nous puissions contribuer à développer les services des ressources en eau, mais aussi aménager nos ressources en eau afin de pouvoir améliorer le bien-être socio-économique de nos populations. Nous avons de l'eau qui coule dans des rivières, derrière nos maisons, derrière nos villages et consorts, mais nous manquons de l'eau dans la maison. La RDC est en train d'importer de l'eau alors que la RDC devrait exporter de l'eau. Donc c'est que nous devons vraiment penser comment est-ce que nous pouvons avoir une stratégie de gestion durable de nos ressources en eau pour pouvoir nous développer à partir de nos ressources en eau. Il faudra donc une bonne stratégie de gestion durable des ressources congolaises en eau, ainsi conclue, pour le développement de la République démocratique du Congo. Parlons à présent des routes de desserte agricole, des matériels des cantonniers destinés justement à l'entretien de ces routes viennent distribuer dans tous les territoires de la province du Congo central.
Ceci s'inscrit dans le cadre du vaste programme du gouvernement, preuve de la relance du cantonnage manuel permanent à travers la République. Explication de Rodé Panga. Le cantonnage manuel pour l'entretien permanent des routes de dessertes agricoles, initié par l'ingénieur Guy Dikoulou, développement rural et approuvé par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, se concrétise de plus en plus. Plusieurs tonnes de matériel des cantonniers sont arrivées dans tous les territoires de la province du Congo central, depuis les territoires de Kasangoulou, point d'entrée de la province du Congo central jusqu'à Mwanga, en passant par Banzangungu, Songololo, Luozi et Sekebanza. Dans toutes ces entités, l'équipe de l'Office des voies de dessert agricoles, OVDA, envoyée par le ministre Guy Nkulupombo, a distribué des pêches, pelles, brouettes, des bottes, des tenues corporelles et autres accessoires aux cantonniers, représentés par les chefs des cantonniers, les clercs, entendez, comités locaux d'entretien routier. La satisfaction des bénéficiaires est visible. Moi, j'ai réceptionné, en tant que président, un Banzangungu Mwalakintsende Ndembo, et sincèrement, nous sommes très satisfaits. Et sur cette occasion, nous voudrions aussi remercier le président de la République d'avoir pensé aussi à ces projets pour les cantonnages manuels. Et nous remercions aussi le ministre national du Développement rural, qui est Excellence Guy Mikoum. Les administrateurs de territoire, représentants de l'État à la base et témoins de l'événement saluent cette action du gouvernement qui est...